Eh bien bonjour à tous, c'est Skylor et bienvenue pour la suite de Final Fantasy VII Remake. Alors, la dernière fois on venait de ces égouts-là. On avait somme toute croisé des boss et tout machin. Et on est arrivé dans cette zone où c'était indiqué le cimetière de train. Oh là là. On devrait pouvoir rejoindre le secteur 7 en traversant le grand hangar. Là-bas, mieux vaut passer par les endroits où il y a de la lumière. Ah bah écoute. De la lumière, voyons. Là-bas. Ah, partout de la lumière. Et donc nous voilà dans cette charmante zone de la cimetière des trains. Là, je pense que ça va être cool. Idéalement aussi, j'ai regardé pour la matéria qui a été oubliée dans les égouts. Bon, j'ai pas pu y aller. Parce que tout ce que j'avais, c'est ou alors il fallait que je retourne me déguiser, faire la danse, me déguiser en Anna, retourner voir Dunker Neo, faire le boss. Bon, j'ai laissé tomber, j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Certes, ça m'a spoil, mais c'était pas une matéria utile et on l'a déjà, donc c'est pas très très grave à proprement parler. Bon, je vais pas vous spoiler ce que c'est. La plupart des gens évitent cet endroit. Il y a non seulement des créatures dangereuses, mais aussi des rumeurs étranges. De quel genre? Il paraît qu'il y aurait des fantômes par ici. Et les gens qui s'égarent dans le cimetière des trains la nuit ne peuvent plus jamais en ressortir. Oh. Oh. Des fantômes? Non, mais je pense que c'est des histoires qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Mais bon... Traînons pas ici. T'as raison, s'il y a des fantômes, on va peut-être pas tarner ici non plus. Par contre, il va y avoir des nombreux combats, je pense. Parce que... Attention! Voilà! Si on peut faire ça, c'est qu'il va y avoir des combats. Ok, bon, ça m'a l'air relativement glauque, mais ça peut aller... Ah! Sérieusement? Le combat! Je dois me concentrer. Je compte sur toi. Je peux le faire. Et voilà! Maman? Belle victoire! Ah, j'avais pas fait les échanges pour Tifa? Ah non, c'est elle qui a toujours atteint qu'anticipé. Donc on bascule avec chance parce qu'il me semble que Iris, elle a appris complètement son truc. Ah, pas encore! Bon, c'est pas grave. On va privilégier Tifa parce que. C'est-à-dire que Tifa a un gant à récupérer avec 40 000 slots de matériel. Où est-ce que je vais, moi? C'est là-bas. Ok, là il y a des caisses. Mais des caisses avec des mains. C'est bizarre. Allez, pas le temps de niaiser. Par là. Merde, qu'est-ce que je fous sans... Oui, j'étais en train de me dire aussi. Ça, c'est une arme, ça. Oh, le bâton de Mithril que t'es censé voler dans cette zone, en plus. Miam, 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 miam. Et ils ont vachement bien respecté. Des petits clins d'œil comme ça, moi, je... Moi, ça me rend tout heureux. Je me suis trompé quelque part. Ah, il y a cette zone qu'il faut aller voir, ok. Ok. Donc pour ça, faut passer là, faut passer là, faut passer là. Ah, c'est ici. Ok, d'accord. Je vais trop vite aussi. Hop là. Là, ça me permet de passer là, et d'atterrir dans la grande zone où il va certainement y avoir un combat. Je me doute pas. Certainement un fantôme. Allons voir, pourquoi pas. Ah! Ce ne sont pas des fantômes. Non, mais... Ils m'ont fait peur, cela. Oui, un peu. Je m'en occupe. Je vais te montrer ce toi, que d'abord. Parce que je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais bien, idéalement, les analyser. Et le dernier.
maintenant. Analyse complète. Alors, ils sont faibles à la glace. Ils sont tous faibles à la glace. C'est comme ça. Parfait. Ah oui. Et Tifa, fais ton combo surpuissant. Ah. Bon bah. Le tigre. Vous avez entendu les rires d'enfants? J'ai pas rêvé, hein. Il y avait c'est des rires d'enfants. Miller pour les enfants. Mais alors. J'ai pas entendu les rires d'enfants. Bon, c'est pas grave, passons par là. Ouais, qu'idéalement, Iris, ça chope ça. Oh. J'aime bien. Cette ambiance, elle est vachement bien respectée. Hein. L'ambiance des cimetières des trains, elle est super bien respectée. Ok, passons ici. Ici, où il y a juste un tout petit passage et une matéria rose là-bas, je l'ai vu. Allez, derrière le train. Je répète, matéria rose derrière le train. Violette. Oh, une air, hein. C'est quoi ce truc ? Qu'on vient de voir. Moi je suis hypé hein. Par contre ces scènes là, c'est horrible comment c'est long. J'ai vu qu'il y avait un fantôme. Attends, je fais un petit tour. J'ai vu qu'il y avait un espèce de truc de fantôme. Ah, j'avais bien vu. Oh c'est mignon. C'est le moment de faire de mon mieux. Je serai sans pitié. Ok, donc je suis glace, donc c'est parfait. Toi, continue ton combo surpuissant. Je vais t'avoir. Hop. Idéalement, on va te faire un choc. Le pauvre. Qu'est-ce qu'il bouffe? Ils sont jolis les dessins des enfants. J'aime beaucoup. Par contre, vous allez là-bas, faites ce que vous voulez, moi je vais aller là-bas. Ah bah voilà. Non mais t'es sérieux. Wrong away. Merci, c'est gentil. J'avais compris que c'était pas le bon passage, mais... Il y avait un guil à récupérer quand même, mine de rien. Qu'il est trop chou le fantôme. Yippie! Ah! Ah! Allons-y. Bonjour! Pourquoi ils nous font des endroits où on peut pas revenir en arrière? Moi j'aimerais bien revenir en arrière des fois. Ah, il y a encore quelqu'un. Ok, bah fais ton combo surpuissant. Allez, ensemble. Je peux le faire. Ok, bah écoute, non. Ça va. Ça va aller, oui. Et puis toi tu vas me faire ton familier. Ok, histoire de le faire si tu veux le caler encore une fois, histoire d'apprendre la compétence. Voilà, parfait. Ok, donc maintenant on a une nouvelle arme d'Aeris. C'est précisément. En plus, c'est le même skin. Permet de lancer un rayon puissant. Consomme 2 barres. Waouh. Ça a l'air stylax. Juste un? Waouh! Ah, il y a 2 emplacements de matéria par contre. Emplacement de matéria supplémentaire. Emplacement de matéria supplémentaire. Là, il n'y en a pas un. 2 emplacements. Bah, déjà, on va tout prendre ici. Voilà, ça aussi. Ça aussi. Voilà, comme ça il reste plus que ça. Régénération meurtrière, hein, c'est-à-dire magique. Restaure des PV lorsque le personnage vainc un ennemi.
Pété de ouf, hein. C'est quoi le dernier? Puissance PM max. Augmente les dégâts infligés lorsque les PM sont au maximum. Ce qui n'arrive très rarement. Alors moi je serais bien tenté de prendre ça. Comme ça à chaque fois qu'il y a un ennemi qui meurt, je suis plutôt pas mal. Il va falloir prendre le contrôle d'Aeris. On va le faire pour plus tard, ça. Par contre, oh, 114 en dégâts. Oh là 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 là. Ça, c'est un build de pure magie. Hein. Mais pour l'instant, on va pas le prendre. On attend que Tifa finisse, histoire de lui prendre ses matériaux. Et tu sais quoi, je suis indécis. Je sais. Mais tant qu'elle l'a, autant le prendre. Et puis au pire, je fais ça et désigner. Comme ça, ça commencera directement avec Aeris. Par contre, c'est chiant qu'on peut pas faire, qu'on peut plus faire demi-tour maintenant. Ça, c'est con, ça. Comment on veut faire si on veut s'amuser et tout, machin? Par contre, il y a la matière rose. Violette. Qu'est-ce que c'est? Oh! On l'a déjà x10, enfin, non pas x10 non plus, mais bon. Disons qu'on est plutôt bien. Et là c'est encore un truc qu'on va devoir monter. Oh. J'ai un tout petit truc. Là, on équilibre, mais c'est pas grave hein, si on tombe. C'est pas très très grave, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce bruit? Est-ce que ça va? Moi ça va, je te remercie. Ça va. Regardez. Ils se foutent de nous. Venez par ici. Qu'est-ce que vous en dites? On suit la flèche? Ouais, je crois que vous m'avez pas tellement attendu. Par contre, les enfants, vous êtes mignons, mais ça fait mal aux fesses. Parce que c'est gentil tout plein, hein. Il n'y a aucun souci, mais... fait mal au cul. Ah, tiens, regarde. Hop, les deux médailles Mog. Je commence à en avoir pas mal. Hein. Alors. Il faut qu'on traverse ce hangar. Oui, je veux bien. Qu'est-ce que vous dites, les gars? Nous avons un super garde du corps. Ça va aller. Hein? Les fantômes, c'est pas mon truc. Oh. Ah non, t'as pas le droit de dire ça. On compte sur toi. D'accord, ça va. Arrêtez de me coller. Oh, l'autre, il se plaint parce qu'il est en bonne compagnie, et... Ça va, hein, t'as deux beaux morceaux, quand même. Te plains pas trop. Mais c'est quoi, ça? Quoi? Regardez, là-bas aussi. Ah, oui, j'avais pas vu. Yo, des fantômes. Ou des petits gamins. Qu'est-ce qui se passe? On t'a trouvé. Viens. On veut juste te parler. D'accord?
lui, décidément, il a pas envie, hein. Ok. Faudrait l'analyser, idéalement. Oh, rayon du jugement, toi. Merde. Qu'est-ce que j'ai foutu de... On peut pas l'analyser. Bah, soit je suis débile. Prière. Avec le crayon. Essayons d'en finir. Waouh. Qu'est-ce que tu fais? Ce rayon. Alors d'abord, je vais regarder un truc. Elle avait bien analysé, Iris. Ah non. Résurrection. Turbo ATB. Bah écoute, dans l'immédiat, on va donner Turbo ATB à Cloud. Et puis, on va lui donner l'attaque anticipée, on va la laisser à Tifa. Bonjour, monsieur. Attends. Tu te rends compte qu'il est dangereux ? Oui, mais quand même. C'est quoi ce bruit? Ça va? C'était moi une. On a eu chaud. On va être obligé de faire un petit détour. Ouah, bah... C'est la persécution! Oh, bonjour, hein, eh. Encore vous. Tu peux t'en charger? Turbo ATB, mais d'abord... Je vais te montrer ce que je sais faire. Oui, mais toi, d'abord, tu vas me faire ton combo super magique secret. Et toi, tu vas me faire ton rayon du jugement. Ah! Effectivement, dans ces cas-là... Ah oui, parce que c'est toujours le même problème, c'est qu'il me farm... Moi, alors que... C'est pas censé arriver. Ok, là on pouvait passer. On ne peut plus passer. Ah, on peut plus revenir en arrière. Non, mais il faut qu'ils arrêtent avec leur truc de pas pouvoir revenir en arrière. Ah si. Si, si, on peut revenir en arrière. Okay. C'est juste que... Ah là, là il y a un espèce de trou, on va pouvoir y aller. Non? Ok. Là, on peut pas passer. Ah bah là, j'avoue que... Ce train s'arrêtera à la gare du Bidonville du secteur 7 avant d'arriver au terminus. Ah! Toujours la RATP, toujours. Ils sont trop choux. Bon. Écoute, on va faire demi-tour. Ah, ils nous ont ouvert! Oh, mais qui c'est mignon. Ah bah voilà, bah parfait. D'accord. Il se moque de nous en plus. On peut pas aller devant. Le bruit est en haut. Pour l'instant, on ne peut pas aller devant. Ils ont pas envie de nous faire passer. Ah là là, petit fantôme.
si t'es décédé, on comprend, mais c'est pas la peine de... Comme un ici. Est-ce que tu peux attendre juste 2 minutes? Je vais aller chercher... Ah, ça, je peux pas aller le chercher. Ça, est-ce que je peux l'activer? Ça marche pas. C'est pas alimenté. Ok. C'est peut-être encore une de leurs farces. On doit pouvoir remettre le courant quelque part, non? Oui, bah vu qu'ils m'ont dit « come on » juste là, je suppose qu'il faut aller juste là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me fais? Ils sont tous là-bas? Ils sont tous là-bas? Attends, parce que lui, il m'a dit « come on » ici. Tac, tac, tac. Je vais juste aller checker ici pour voir. Tant explorer toute la zone, hein. Tant qu'on y est. Ok. J'ai l'impression qu'après, on est bloqué, on peut plus rien faire. J'ai rien envie de louper. Je t'ai trouvé. Quoi? Ah, salut! Tifa, tu peux nous caler ta compétence combo surpuissant? Merci! Prenons nos précautions! Il va pas que je commence à analyser aussi, hein! Oh, mais en plus, il nous soigne! S'il est mignon, ça reviendrait presque à regretter le fait que je vais devoir lui atomiser sa maman! Essayons d'en finir! D'accord. Ah, Tifa, tu peux nous refaire encore un combo surpuissant. Ah, et elle a pris combo surpuissant, nickel. Alors, enchaînement rapide. Ok. Choc transperçant. J'ai même pas regardé à quoi ils sont faits ce matin. Ça se trouve, ils sont hyper résistants à tout ça. Ok, c'est parti. À mon tour, c'est ça? Ouais. On va attendre encore un petit peu, histoire que ça augmente. Voilà, comme ça, je vais pouvoir faire le rayon du jugement. Kamehameha! Tu ne souffriras plus. J'arrive. Voilà. Ça va mieux que ça. Un petit tour. On va continuer encore, encore. En plus, l'autre, il me régène, mais il est mignon. Toi, tu vas me faire un choc transperçant x2. Et Tifa, tu vas me faire encore ça. Et puis moi, Kamehameha! Oh, j'ai déjà appris! Oh, bah c'est parfait! Donc tout le monde a appris toutes ses armes. On est d'accord? Tout le monde a appris toutes ses armes? C'est parfait! Ah! Il y avait un truc spécifique que j'ai oublié d'enlever. Ok, bah parfait, parfait. Alors, si c'est comme ça, ce qu'on va faire, c'est que bah toi, tu vas garder ta broyeuse. Puisque dans tous les cas, alors au niveau des améliorations des armes, les deux, ils sont passés comme ça. Et puis, ouais, les 73 quand même. J'ai besoin de slots. Dans tous les cas, j'ai besoin de slots. Au pire, on retirera. Elle, toi, tu peux apprendre quelque chose. Tu peux apprendre un truc ici. Il y a choc régénérateur. Attaquant furtif. Ouh, oui. Ça, c'est bon, ça. Mais, c'est pas très efficace parce que moi, il faut que je reprenne celui-là. 76, machin. Ah, 48, hein. 90 pour celui-là. Est-ce qu'il y a des trucs à augmenter sympathiques? Ah, il y a encore attaque physique et attaque magique, hein. Et PM, hein. Et activation, déjà. On va reprendre ces gants-là. On va les repasser en manuel.
et elle en auto. Et toi, au niveau de ça, 55, 114 celui-là. Ah, mais je suis désolé, je suis obligé. Hein. Allez, je redescends à 55, hein, moitié moins de dégâts. Moitié moins de dégâts. On va... Parce que lui, il a quoi? Des dégâts multipliés, dégâts des attaques normales. Allez, j'ai quasiment tout fini. Hein. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur lui. Lui, on va l'activer en auto. Et on va rester là-dessus. On va faire ça, donc... Cloud. Alors déjà, on va retirer toutes les matérias. Parce qu'il y a un gros bordel qui est fait dans ces matérias. Je ne sais plus du tout où est-ce que j'en suis. Ok, donc Cloud, tu restes avec ça. Toi, tu vas reprendre tes points supersoniques. Et toi, tu vas me reprendre ton bâton magique. Comment ça fait que ton bâton de nitrile, il a encore des trucs? Ok. On va reprendre le bâton magique. On va faire des associations. Donc, c'est-à-dire que toi, tu vas commencer déjà par... par voler. Toi, analyse obligatoire. Alors, là, on a... affinité élémentaire. Toi, tu as... résistance aux altérations, réduit la durée des effets des altérations. Ah, de 25. Ok. Et toi, tu vas me faire une aire d'effet. Donc ça, ça sera pour soin, c'est sûr et certain. Ça, tu vas me faire par rapport au truc qu'on n'a pas encore appris. Ou alors à toxine, mais c'est pas... non. Pas du tout. Et toi, tu vas me faire... Et du coup, on sait pas pour les fantômes. J'aurais tendance à dire glace. On va mettre glace. Par acquis de conscience, on va mettre glace. Ok. Donc, si toi, t'as glace, toi, tu vas prendre feu. Toi, tu vas prendre foudre. Voilà. Ensuite, au niveau des trucs comme ça, on va mettre... toi, sûr et certain, une provoque. Ah, mais la provoque, elle est à fond, je crois. Bon, bah, une garde renforcée. Toi, on va te mettre... on va te mettre... un PV augmenté. Et toi, un PM augmenté. Ok. Là-dessus, on est bon. Maintenant... Ah, il me faut encore résurrect. Elle a la feu, soin. Bien sûr, il faut qu'elle prenne résurrection. Toi, protection, vélocité. Parce que c'est toujours pas terminé. Donc là, on est au max, 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 max. Le vent, il est au max, ok. J'ai les trois trucs, chakra jet. Turbo ATB, mon gars, je l'avais pas mis. Ok, turbo ATB. Donc, prière, ça sera pour Aeris. Hop là. Et il reste plus que des matériaux d'augmentation. Alors, c'est qui a volé? Toi, t'as volé. Donc, toi, on va t'augmenter la chance. Toi... toi, résurrection, on va te le balancer ici. Toi, on va te mettre magie augmentée. Toi, on va te caler. Esquive, bah pareil. Pour l'instant, on va faire ça et ça, ça sera parfait. Voilà. On est à combien de minutes? Ouais, j'ai fait plein d'équipements et tout machin. Pour l'instant, on va continuer comme ça. Vulgairement. Ah, là-bas, je peux rejoindre. Le fameux trésor. Ah non. Je suis obligé de passer
Et si je passe à l'intérieur, ouais, si je passe par là, je peux revenir en arrière. Donc c'est bon, on va passer par ici. Il va nous attendre encore des fantômes. À ton avis, il y en a ici? Ouais, on dirait. Trouvé! Elle le sait direct, hein. Allez, continue. Parce que toi, t'as analysé. Voilà. Ça devrait être... Ah, ils sont faibles contre le feu. Ok, bon, bah bon à savoir. Et ils sont résistants à la glace. Ok. Donc, du coup, j'ai mis une résistance à un truc de glace pour qu'au final... Je compte sur toi. On va prendre Tifa. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui. D'accord, ok. Retournons à Iris. Peut-être que je me soigne. Excusez-moi. Hop là, régène complète. Alors, ce qui serait bien... Alors déjà, Clad, toi, tu vas nous caler une fin infinitude. Toi... nous cale un combo sur 5. Ok. Et toi, tu vas nous créer un sort d'extra-feu. Voilà. Et ils sont résistants. Et Clad est passé level supérieur. Bah, parfait. Donc, c'est pas ici, en arrière? Attends, attends, attends. Bah, tant pis. Attends. On inverse. Du coup, voilà. Comme ça, au moins, je vais faire super mal avec Clad. Et on reprend le contrôle de Clad, d'ailleurs. Ok, donc là, c'était le command qui nous avait indiqué. Il n'y avait pas vraiment de personne. Deux méga potions, mon gars. Et on peut passer ici pour le command? Ah, la porte est déverrouillée. Ah, il m'avait eu. Ah bah voilà, bah au moins, je me suis pas fait avoir comme un bleu. Ok, donc le but c'est d'aller ici, mais il y a une petite zone. J'aimerais bien aller voir la petite zone. Hein. Avant de continuer. De toute façon, on va pas tarder à se laisser, hein, mais au moins voir cette petite zone. Ah, bah on peut pas. Ah, par contre, là-bas, il y a un trésor, ouais. Il y a un trésor et on ne peut pas. Parce qu'il faut obligatoirement passer par ici. Bon, bah écoute. On va juste continuer la prochaine salle avant de se laisser. C'est-à-dire là. Là! Même les ouvertures de portes, ils sont faits exprès pour... Ah, et on peut redescendre. Mais d'abord, on va passer... Ah, non. Ok. Donc, il faut obligatoirement redescendre. Donc, on va pas y aller tout de suite, là-haut. Juste redescendre pour regarder ce qu'il y a. Ah, tiens. Salut, toi. Trois écrans. Ok. On monte. Voilà. Là, il n'y a rien ou pas grand chose. Et ça permet de rejoindre de l'autre côté. Ok. Parfait. Ça permet de rejoindre de l'autre côté pour aller dans l'entrepôt. C'est moi ou j'avais entendu une musique? Faut qu'on passe. Ouais, bah écoutez, les gars, vous êtes chiants. Hein. Adieu. Voilà, donc on va faire ça, on va faire enchaînement rapide. Voilà. Air d'effet et prière. Ah, c'est beau ça. Air d'effet, je suis pas prêt de l'enlever. Air d'effet, pas mal. Et prière, bah pas mal. Parfait. Il reste plus qu'une étoile pour matériel à mettre. Voilà, donc là on est là, on va pas monter encore une fois. Là il y a le trésor. Ouais, c'est là-haut.
Ah, c'est là-haut. Ok. Donc, pas tout de suite. Juste regarder ça. Parce que ici, il y avait un trésor à venir chercher. Ok. Là, il n'y a rien ou pas grand-chose. Je crois qu'il y avait un trésor qui était caché ici. Non ? Ah ! Des caisses avec que dalle. Ok. Au moins, il y avait des caisses. Et ça me permet d'atterrir derrière où il y avait le trésor. Et c'est vrai que c'est une potion. Et là-bas aussi, il y a un trésor. Regarde, c'est une médaille mug. Ah, par contre, des médailles mug, ça commence à popper. Moi, je veux bien. C'est pas un souci, je veux bien. Mais regarde, par exemple, regarde. Là, il y en a une. Il y a un trésor. Enfin, bref, bref. L'épisode, il commence à durer un petit peu trop longtemps. Et mais ces effets d'ombre sur Clad, ça fait peur. Enfin, bref. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais vous laisser pour un prochain épisode de Final Fantasy VII Remake. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.